Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment spéciale parce que comme tous les ans, qu'est-ce qu'on fait en septembre ? La rentrée des classes. La rentrée des classes. Alors là on n'est pas encore à la rentrée, hein. On est au mois de juillet. Bah là j'ai des tongs et tout alors. On vient, ouais, t'as les tongs, ouais. Normalement ça on vient juste de finir l'école, mais nous comme on va partir en vacances, on a dit qu'on allait faire un peu les boutiques parce que Corentin va passer en quelle classe l'année prochaine ? Un CE2 iPad. Un CE2 iPad. Alors est-ce que tu peux expliquer aux copains ce que c'est le CE2 iPad ? En fait, c'est comme une classe de CE2. On écrit autant que les autres, mais on a juste un iPad en plus. Voilà, c'est ça. Donc on apprend aussi à manipuler l'iPad et puis ben, on fait des choses sur l'iPad en plus du travail scolaire. On a toujours des livres, on a toujours l'écriture et surtout, on ne joue pas à Minecraft ou autre sur l'iPad. Non, 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 les amis. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on est là pour acheter les fournitures scolaires. Et oui, les fournitures scolaires. Donc là, on s'y prend en avance. Bah, comme ça, on est tranquille. C'est fait, on a la liste qui est pas mal. Ah, oui. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va pas acheter l'iPad. On fera une autre vidéo pour ça. Donc là, Corentin, cette année, a décidé de changer une fois de plus de... cartable. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Je veux un cartable à roulettes parce que là j'ai vraiment compris. Mais sauf que ces cartables là qui sont à roulettes, bon, je sais pas s'il est. Non, il est pas à roulettes. Et ben ceux-là je les aime pas trop. Ok, mais donc moi je préfère plus des cartables à cette forme là. Donc des sacs à dos en fait à roulettes, c'est ça? Ok. Bon, donc sac à dos à roulettes. Donc là, on est bien en rayon des sacs à dos. Donc on va déjà choisir son premier sac à dos. Je pense pas qu'on aille faire 10 000 magasins. Ici il y a pas mal de choix. Bon là il y a les filles, voilà. Et là ici il y a les garçons. Donc là il y en a pas mal. Donc tu es sûr que tu vas en roulette, hein? Oui, parce que j'ai vraiment compris, faut pas. Mais par contre l'année prochaine Corentin, je ne pense pas qu'on le change, à moins qu'il soit cassé vraiment. Donc vous inquiétez pas, celui de Corentin, il avait quand même cassé sa fermeture, donc il fallait quand même le changer. Oui. Donc on y va. C'est ça le problème. Donc on regarde les choix des cartables. Alors lui il est pas mal. Lui il est vraiment joli. Alors c'est un rectangle, il est trop beau. Tu peux voir lui là-bas? Tu peux l'avancer pour voir? Hop là! Il est chouette celui-là. Ouais, mais... Mega bike avec une moto. Fais voir derrière comment il est. Ouais. Pas mal. Ouais, il a combien de poches, fais voir? Une. Deux, trois, quatre. Attends. 3, 4. Ah oui. Ah oui, il y a une toute petite ici. Une ici. Là. Une ici. Et celle-là. Okay. Cette poche noire principale, elle nous sert à mettre la boîte à goûter. Je sais pas si elle peut prendre une boîte à goûter parce que ça prend beaucoup de place. Bah, ensuite, boîte celui-ci. À goûter et paquet de mouchoirs. Celui-ci est pas mal aussi parce que regarde celui-là, ce qu'il a. Il a une poche, il a des poches à l'intérieur de la poche. Donc ah ouais. Et après, il a encore une grande poche et une petite poche devant. Ah ouais. Ok. Alors, on a celui-ci. On a quoi? Ah, regarde, on a un autre là. Il est joli celui-là aussi, là, le gris là. Non, t'aimes pas? Il y en a plein en fait. Avec la voiture, cette fois, c'est le même que la moto. Alors, on a le même celui-ci avec la voiture. Celui-ci est sympa aussi, non? Mais il est grand celui-là. Ah ouais. Il est super grand, il est trop plein de poches. Enfin, il est vraiment grand. Il est pas mal. Celui-là, il est comment derrière? Ouais, celui-là, il est pas pareil du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un sac de Paris. Non. Le série Picker, il y en a un autre ici. Après, roulette, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je vais prendre lui. Bah, déjà, on va les essayer. Peut-être. On va voir. On va essayer plusieurs modèles et puis bon, on va voir lequel tu vas choisir. Ouais. Ok. Allez, bah, vas-y, passe celui-ci. Faut voir, hein, parce que s'il est beaucoup trop grand aussi, c'est pas la peine. On dirait qu'il est plus grand que toi le sac. Tu t'en sors? Il est bien. Allez, c'est parti. Alors, fais voir à quoi tu ressembles, tourne-toi. Ouais, pas mal. Il est un peu grand, moi, je trouve. Hein. Tu veux pas essayer un autre? Mais c'est sûr. Quand même, on va voir et puis après, on va faire notre choix. Je vais plutôt rouler avec. Ouais, plutôt, tu vas rouler avec. Après, t'as d'autres Rip Curl, tu sais, là. T'as un autre modèle ici qui est sympathique et celui-ci. Ah, je préfère lui. Et quoi que celui-là, il est sympa aussi. Hein. Moi, j'aime bien, il est plus coloré, vraiment. Et celui, tu peux essayer celui-ci que tu avais essayé avec les motos, là? Enfin, que tu avais vu avec les motos? Je crois qu'il va être trop petit. Tu crois qu'il va être trop petit? Moi, je pense qu'il est grand aussi. Ouais. Ah, il est mieux, moi, je trouve. Non? Non, bon. Je crois qu'il est un peu trop petit. Ah, ben, t'es là, Océane? Oui. Oui, Océane qui attend, qui fera après elle sa vidéo de ses fournitures à elle. Et j'ai acheté une goutte parce que. Ouais, bon, on verra après pour toi. Hein. Alors, fais voir. Ok.
Bon, je alors, préfère lui. Tu préfères celui-ci? Okay. Celui-là, il me fait trop petit en fait. On a le cartable, il est derrière le dos de Corentin. Alors, faut voir comme il te va bien quand même. Il est trop beau. Ouais, il est vraiment beau quand même. Ça y est, t'as choisi le bleu et le rouge au final. Donc là, on commence en fait avec la liste. Donc, il te faut quoi? Attends, elle est à l'envers déjà. Oh, déjà. Alors, pour le petit matériel, il faudra deux crayons gris. Deux crayons gris. Alors là, on a un rayon des crayons, crayons de couleur. Ok. Donc, crayon gris, c'est pas là. Ok. C'est pas là. Ok. Bon, bah, on s'est déjà trompé de rayon. Ah, bah, super. Ici, c'est plus que géométrie. Super, on s'est trompé de rayon. Super. Bon, bah, on cherche le bon rayon alors. Ça y est, on a trouvé tous les crayons à l'unité. Ça, c'est cool. Alors là, on a les crayons de papier. Alors, ils sont ici. Il y en a beaucoup. Il y a des critériums, mais ils n'ont pas précisé critériums. Donc, on va éviter. Hein. Et puis là, oh, on a les crayons de papier. Alors, regarde tout ce qu'il y a le bout. Alors, toi, il te faut des HB, c'est ça? Ouais. Donc, du coup, on va éviter les H comme j'avais dit. Alors, les HB, c'est tout ce qu'il y a ici. Ouais. Alors là, moi, je trouve que y en a des pas mal. En haut, il y a les évolutions, tu vois? Ceci, là. Oui, au moins, il se casse pas. Oui. Est-ce que tu veux les comme ça? Ah ouais. Alors, il t'en faut combien? Deux. Comme ça ou avec la gomme? Bah, comme tu veux. C'est pas précisé, donc du coup, moi, je vais prendre avec. Avec la gomme, ok. Donc, deux. Il n'y a voilà. Pas précisé. Crayon HB avec la gomme. Il n'y a rien précisé sur la liste. Océane, hein. Je t'ai vu sentir les marques. C'est pas bon. Ok, donc il faut quoi encore? Mais là, c'est des Il te faut. Un tes crayons avec réserve. Ok, un tel crayon avec réserve, on va essayer de prendre un tel crayon, pas comme l'année dernière. Parce qu'il s'est vite abîmé. Donc, je les ai vus là-bas. Tu les as vus là-bas? Ok. Mais arrête de sentir tous les billets d'art. Non, mais il n'est pas bien celle-là. Allez, alors, autre tel crayon. Ah ouais, il y en a plein là, des tel crayons, ma belle. Alors, il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des roses, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des oranges, il y en a des violets. Mais il y en a plein. Mais c'est trop bien. Lui, il est marron. Alors, il y a lequel? Lui, il est marron. Alors, regardez les amis, on a des modèles lapin, des modèles plutôt corbeille à papier, modèle classique, on va dire. Celui que tu avais l'année dernière, mais qui s'est abîmé quand même autour, il s'est bien abîmé. Qu'est-ce qu'on a encore? On a quoi? Des espèces de grenouilles. Ah, les grenouilles. Oh, c'est beau. Ah, des tout petits, là, regarde. Ceux-là sont bien, ils rentrent bien dans la trousse, tu vois? Ouais. Non? Ça c'est sympa. En rose, hein, mais moi j'aime bien celui-là, c'est rigolo celui-là. Pas en rose, mais en bleu. Regarde celui-là. Comment on les prend en fait? En fait, ça se prend pas là-dedans, ça se prend là, loulou. Ils sont tous là. Regarde tout ce qu'il y a. Ah, moi, alors, je tu veux prendre quoi ça. Celui-là, moi ouais, il a une grosse réserve. Alors regarde, tu as le choix entre orange, alors, violet, bleu. Je vais prendre bleu. Alors bleu. Lui, il était nickel, j'ai pris exactement celui-là. Ah, lui, il avait une grande réserve, mais il s'abîmait très vite. Voilà, il s'est très abîmé très très vite. Regarde, oui, lui, il était nickel. Ah ouais, il est bien celui-là, il se referme. Oh, aussi. Je prends ça. Ça plutôt. Ça a plus grosse réserve. Alors, comme ça, ouais. Et après, ça s'ouvre comme ça. Au moins, je peux tailler gros crayon de couleur. Ok. Après, le taille-crayon, il nous faut... Une gomme. Une gomme. Bon, une gomme. Ah bah on est au rayon des on gommes. On est au rayon des gommes. Bah oui. Ah oui, effectivement, on en revient du rayon des gommes. Il n'y a que des gommes comme ça. Tu veux une gomme comme ça? Tu veux une plutôt simple, non? Comme ça? Comme ça. Parce qu'elle a un cache. Elle a un cache, ouais. C'est super et important. Et celle de cette année que j'avais pris, le cache était carrément enlevé. Alors que celle-là. Ok. Je sais que ça va pas s'enlever. Ok, bon. Suivant. Ouais. Il nous faut quoi? Ah ouais, c'était rapide. Hein. Ah oui, là c'était rapide, ouais. Un stylo bleu. Rouge, vert ou un stylo quelle couleur? Ok, bon ben on va au stylo alors. Pour les stylos, on revient au rayon de tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on avait pris les crayons de papier. Et puis là, il faut trouver les stylos parce qu'on n'a pas trouvé de paquet. Donc, ils sont là, loulou. Là, il y a les stylos. Alors là, il y a des quatre couleurs. Mais je pense pas que ce soit les couleurs qui ce soit indispensables. Ah, elles sont là plutôt, les autres couleurs. Là, on a le quatre couleurs qu'on se rompe toujours de côté. Donc, non. Et puis toi, je crois que l'année dernière, t'avais pris quoi comme stylo? Un 4 couleurs. Un 4 couleurs, mais tu veux pas aussi ceux qui s'effacent là? Le chien. Et tu veux quoi cette année? Alors 4 couleurs ou ceux qui s'effacent?
Ceux qui s'effacent. Ceux qui s'effacent quand même. Alors ceux qui s'effacent, il va falloir les trouver. Ils sont ici. Les voilà. Donc ce sont les pilotes. Ceux-là, c'est ça ? Ce sont les frictions. Voilà. Donc il te faut quelle couleur ? Bleu, vert, rouge et noir. Ok. Donc bleu. Merci. Vert. Encore merci. Et rouge. Et noir. Et j'ai pas entendu noir. Il me semble qu'il y avait besoin que de 3 sur la feuille. Non, il y a noir. On regarde. Bleu, rouge, vert. Voilà. Ça, je t'avais dit. Bon, bah ok. Alors, in the bag. Qu'est-ce qu'il te faut ensuite ? Des ciseaux. Des ciseaux. Est-ce que les ciseaux, on les a ou pas ? Oui, on en a chez nous, mais je vais les garder. Ils sont encore bien. Ils sont encore bons, tes ciseaux. Ok. Donc ensuite, suivant. Une équerre. Une équerre. Et donc, aussi, on va en profiter pour la règle parce qu'il y a aussi marqué une règle. Ah ouais, ils sont juste là. Alors là, on est au bon rayon pour une fois. Aussi. Donc là, on a quoi ? Équerre, règle de 30 cm. Et aussi, on a tous ensemble. Ouais, on a un ensemble. Ok, donc règle non, équerre. Non, mais moi, je préfère celle-là. Au moins, elles ne peuvent pas se casser dans la trousse. Mais ok, elle donc aussi... prends celle-là. Et puis, il y a peut-être l'équerre qui va avec, non ? Elle aussi. Elle fait 30 au moins. Elle regarde. Elle ne se casse pas. Mais non, elle fait 20. Alors, 30 cm là, en bas, regarde. 30 cm et on va prendre une équerre. Elle aussi, regarde. Ouais, ouais. Allez, on va prendre on prend ça comme elle. Ok, bah tiens. Comme la règle. Déjà, elle ne peut pas rentrer dans la trousse. Bah non, ça ne rentre plus dans la trousse. En 30 cm, là, tu vas faire vraiment de la vraie géométrie. Hein. Ok, alors suivant, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Un compas. Un compas. Alors, marque MAPED. Marque MAPED, est-ce qu'il y a d'autres indications sur ta liste ? Avec crayon, pas de mine et bloc branche. Un bloc branche et pas de mine, donc il faut mettre un crayon dedans. Ok, donc à côté des règles, on avait les compas. Oh, décidément, c'est trop facile de faire ces compas. Et ça, faut ici. Pas. Il faut donc pas là, ça. On a quoi ? Alors, c'est ça, ouais. Mais est-ce qu'il y a un bloc quelque chose là ? Un bloc non. branche, alors, je sais pas ce que c'est un bloc branche. Alors en fait, c'est juste que ça qui tient le crayon, ça va se bloquer avec une ah, sécurité. Ah, c'est cool ça ! Ah, ça c'est trop bien ! Alors attends, est-ce que ça ? Ça. Ça, c'est normal. Ok, donc c'est ça c'est un stop système. Ok. Ça ? Ah, c'est ça. Ok, bloc. Ouais, mais c'est pas avec le crayon celui-là. Celui-là ? Bah, non, il a pas le bloc. Mine. Et oui, non, c'est avec crayon qu'il faut. Donc il faudrait, à la limite, il faudrait celui-là avec ça. Ok, est-ce qu'il y a ça ? Alors regarde, on regarde plus bas. Non, 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 non. Là, non, un ballon rouge non plus. Lui, non, c'est mine. Eh ben non. Bon ben c'est pas grave, on ira voir dans un autre magasin. Voilà, loupé. Hors vidéo ou en vidéo ? Oh, peut-être hors vidéo s'il manque de trucs, hein, ça sera rien. Hein. Parce que là, ça risque d'être long. Allez, suivant. Crayon de couleur. Crayon de couleur, regarde, c'est pratique, regarde derrière toi. Il y a les crayons de couleur. En fait, il y a tout à côté dans ce magasin, c'est trop bien. Alors là, on en a plein. Ouais. On a les Big Kids, on a les Big Kids, on a 18, 12, 12. On a les Stabilo, on a les Stabilo en 18, les Stabilo en 24. Couleur Peps en 12, en 48. 48 Ouais, c'est ce que tu avais l'année dernière et je pense que tu en avais non, pas utilisé. Non, c'est ce que j'avais cette année. Oui, enfin cette année, ouais. Désolé. Et il y avait trop. Alors là, regarde, on a les Cultura et puis qu'est-ce que tu veux comme marque ? Wow. Les boîtes en métal ? Ouais, ça, je vais prendre ça. Evolution ? Ouais. Oh, ils sont trop ouais. Trop et fais voir. Hein. En plus, c'est un super promo. Ouais. Ah, cool. 3 euros. Ils sont trop bah, c'est cool. Bon, bah, ok. Bon, bah, ok, pour le fond de couleur, fais voir. C'est une boîte métallique. Boîte c'est... métallique. Super. Qu'est-ce qu'il nous faut alors maintenant ? Pâte à pointe moyenne. Pas de pointe moyenne, ah ok. Alors là, donc à côté crayon de couleur, on avait les feutres. Hein, donc ça, c'est pointe moyenne. Donc il nous faut. Attends, je sais, je sais. Moyenne, eux, ils prends sont ça. Prends ça. Oh, non. On en prend deux. Bah non, oui, non. Carrément. Alors, vas-y. Carrément. Non, on va prendre 18, 12. Oh, peut-être 18, 24, je sais pas. Ça existe 24 ? 24 ? S'il y a 24, je vous prends 24. Non, c'est 18. Ah si, 24 là. 24 là. Ceci, là, regarde. Ceux-là, ils sont pas mal. Ils sont pas mal.
4 euros. Ok, bon bah vas-y. Prends ça. Super. Bah, un surligneur fluo. Alors rose ou jaune? Rose ou jaune. Ok. Donc rose ou jaune? Jaune. Jaune, ok. Bon, rayon des fluos, je pense qu'il va falloir retourner au rayon des... bah celui-là, il n'y en a pas. Des feutres et des stylos et des crayons. Bon, on y retourne. Ça y est, t'as trouvé? Ah. En fait, c'est des surligneurs effaçables friction L. Ok, et il y a 2 euros. Et il y a jaune. Ok, il y a jaune et il y a rose. Oh, ils sont trop beaux les roses. Ha. Je connaissais pas les stabilos qui s'effaçaient. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez aussi. Tiens. Bon, bah, tu peux mettre ça dans le panier et on passe à l'article suivant. Tu veux voir? Ils ont la mine. Ah ouais, trop bien. On passe au suivant? Oui. Cahier, tous les cahiers sont un grand carreau sans spirale. Alors, 2 cahiers de 48 pages. 2 cahiers de 48 pages. 17 x 22. Ok, polypro. Donc ce sont des petits polypro. Donc c'est avec la couverture en plastique. Et quelle couleur? Il en faut 2, mais quelle couleur? Un rouge et un bleu. Un rouge et un bleu, 48 pages, c'est ça? Ouais. Un rouge, un bleu petit, 48 pages. Alors c'est parti. Donc là on a des cahiers. Regarde. Ça c'est quand même là, assez. Là il y en a des petits. Ça c'est quand même assez grand. Ils sont polypro. Lui, il est polypro, non? Il fait quelle couleur? Bleu et rouge. Bon, ben, loupé. Ok. Bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge. Là, on a violet. La rouge, loulou. Ah non, c'est 96 pages. Bon, ben, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, on va voir si on en trouve ailleurs. Louia, les amis, on a trouvé. Bleu et rouge, 48 pages. On a du bleu. Et du rouge. Ils sont jolis. Hein. Maman a cru que c'était du bleu et vert. Bleu. Voilà, et un rouge, il est où le rouge? Il est ici. Et oui, on a failli prendre du rose. Trop bien. On prend pas du rose à la place du rouge, hein, c'est méchant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme cahier? Vas-y, parce que là on est dans les cahiers. Ah bah oui, alors là il y a marqué cahier dans le carreau, j'espère. 2 cahiers de travaux pratiques, 96 pages, 32 polypro. Ok. Un jaune et un transparent. Un jaune, un transparent, travaux pratiques pour 96 pages. Ok. Bon, let's go. Donc, travaux pratiques, tu sais, c'est ceux-là. Voilà, c'est ça. Pour les poésies, quoi. Donc, combien? 96 pages? Ouais. 24-32, c'est là-haut. Je suis trop petite. Ils sont là-haut. Mais attends, mais il en faut un jaune et un transparent. Hein. Bon, bah, on va voir si on trouve jaune et transparent. Les amis, tout compte fait, on n'a pas trouvé les cahiers de travaux pratiques en polypro jaune et transparent. Donc là, on a pris en fait en carton normal. Et là, on va se diriger au tâche-cahier. Et on va mettre ça dessus. Donc, comme ça, ce sera plus simple. Donc, il te faut un jaune en 24-32 et un transparent. Jaune. Alors, il y a un transparent, il y en a un. Et un jaune. Et un jaune. Voilà, et un jaune 24-32. C'est un jaune, ça 24-32. C'est là. Regarde. Voilà. Mais ils sont transparents. Ouais, mais c'est pas grave. Un jaune et un transparent. Mais ça te voilà. Fait un cahier vert sur le bleu. Ouais, ça te fait un cahier vert, ouais. Ensuite, on continue avec 4 cahiers de 96 pages, 24 x 32 polypro, un transparent, un rouge, un bleu et un vert. Eh ben, ok, bon. 96 pages polypro, 24-32. Ok, bon, ben, on va en 96 pages. Ils sont là, voilà. Bon, on y retourne. Ok. Ça y est, on a trouvé les. Polypro en 24-32, donc il y en a là, loulou. C'est le 24-32? Ouais. Quelle couleur il te faut? Ça, bleu. C'est du transparent. Ouais, ça c'est du transparent, mais c'est pas 24-32. 96 pages, 24-32. Alors, quelle couleur? Bleu, il faut? Bleu, il faut. Ouais. Rouge et transparent. Vert, rouge et transparent. Ok. Vert, rouge, il y a. Et bleu. Et bleu, je le prends.
Le vert, le rouge. Le vert. T'as du vert? Ça y est, on a trouvé tous tes cahiers? Oui. Ouais, alors regardez, ils sont tous là. En fait, on a même trouvé le transparent pour une fois. On a trouvé toutes les couleurs en polypro, donc en plastique. On les a tous trouvés. Donc là, il nous manque quoi encore? En fait, en gros, c'est des blancs. Un paquet de 200 feuilles simples. Alors, il en faut 20. Non. 21 x 29,7. Ouais. Grand carreau. Donc ça, ce sont des feuilles de classeur en fait, il en faut 200. Elles étaient là, les feuilles simples par 200, donc c'est parfait. Simple comme bonjour. Hein, simple comme bonjour, c'est marqué dessus, bah, pas si simple hein, que ça hein, quand même. Qu'est-ce qui nous manque encore, Loulou? Tac, 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 vas-y. Un paquet de feuilles canson blanches. Et est-ce qu'il faut des couleurs aussi? Après, il en faut un autre de teinte vive. Okay. Alors, il en faut un 140 de feuilles blanches et un 142 de feuilles pastel. Je n'ai pas trop compris. Vive. Feuilles vives, tu veux dire 180 grammes. Bon, ok. On va au papier canson. Alors, papier canson, ça doit être là-bas. Ah, on les a trouvés, les papiers canson. Ils sont là. Alors, nous, il nous faut du blanc 180 grammes. Regarde-les là. Voilà, blanc. Ah. Voilà. Est-ce qu'on prend canson ou on peut prendre, regarde. Non, faut prendre canson. Ah non, c'est 320 grammes. Ok, mais sinon il y avait marque Cultura aussi qui faisait, non? Non? Celui-là. Non? Non, bon, on les prend toujours les cansons. Ok, donc canson comme ça et canson couleur. Alors c'est où couleur vive? Couleur vive, c'est normalement ouais. Les je sais plus quelle couleur. Ouais, ça y est. On s'en sortira jamais. Ah là, papier de dessin à grain couleur vive, ça y est. Ah oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas canson, mais c'est Claire Fontaine. Hein. C'est pareil, non? Ouais. Le canson, j'ai pas trouvé. Ah si, il est là. Ah non, c'est Claire Fontaine. Pas en boîte à la procure, un agenda, pas de cahier de texte. Un agenda. Oui, ça y est, on a un agenda. On va aux agendas. C'est parti. Oui, on a tout là, c'est on a tout. Il n'y a que ça cette année. Ok. Bon, allez, est-ce c'est déjà pas mal. Hein. T'as fait un lot dans le cartable. Bah, faut prendre un cartable plus petit alors. Alors. J'ai trouvé les agendas. Ils sont là. Regarde Loulou. Alors là, c'est bien pour les filles. Licorne, machin et tout. C'est peut-être pas ton côté là. C'est pas, peut-être ah, pas. Si, ouais. Si, hein. Si. Regardez. Ouais, mais ça, c'est pas pour courant ça. Bon, attends, on va voir derrière. Là, il y en a d'autres. Ah, reste ici. Oui, si tu veux. Là, non. Ah, ici, regarde. Alors là, on a du Pac-Man. On a du Space Invader. Du Mignon. La alors là, il y a du cahier de texte, mais on veut pas. Les textes, non, tu n'as pas le droit. Tête de mort, on va éviter. Le foot, ouais. Ok, ok. Bon, on va voir s'il y a autre chose, peut-être. Ouais, parce que là, je crois que j'en ai vu trop. À l'entrée aussi. Ça te oui. Pas trop. Attends, lui, il est sympa avec Pac-Man. Moi, j'aime bien celui-ci. Il est très sympa, non? Sympa, lui, regarde. Non, non, il donne pas envie. Okay. Bon, bah, on va voir, on en a vu à l'entrée. Il me semble avec Minecraft ou des choses comme Space ça. Space Invader. Bah, il est joli, hein? Celui-là? Non. Ok, bon, bah, on va voir à l'entrée du magasin. Oui, Loulou. Voici les agendas. Il y a Frigiel et Fluffy, mais ça, c'est des livres et tout ça. Ok, donc ça c'est Gay Tech, il y a des smileys, il y a Yoka, il y a Hello Kitty. Regardez, il y a Frigiel et Fluffy. Mais ça, ce sont pas des agendas, Loulou. Est-ce que tu veux Hello Kitty? Non, c'est Yara, tout ce qui est là. Ok, donc il y en a derrière peut-être. Ah, bah voilà. Il y a Coco, il y a Disney, il y a Pokémon. Frigiel et Fluffy. Attends, Frigiel et Fluffy en fait, c'est il y a Pokémon là-haut, regarde. Pokémon. Agenda. Oh, Disney, c'est pour moi ça. On va voir Disney. Alors, qu'est-ce qu'il a? À colorier, ça c'est cool. Ah mais il y a plein de coloriages à l'intérieur en fait. Regardez, moi j'en ai un. Moi j'en ai un. Ouais, c'est trop beau. Bon. C'est joli hein. Alors est-ce que tu veux quoi? Il y a un de mes youtubeurs préférés, c'est Frigiel. Un youtubeur ah bah oui, que j'aime vraiment. Un agenda de Frigiel et Fluffy, forcément. Bah oui, c'est alors, un qu'est-ce YouTube. Que tu veux Pokémon tu et il y a Pokémon là, il est sympa lui. Pokémon, je vais pas prendre Frigiel. Tu vas prendre lui? Ah, je vais voir. Je vais pas prendre lui. Ouais. Est-ce que tu veux Pokémon?
J'aime bien Minecraft. Ah, il est là, Minecraft. Ouh là là, il y a tout qui tourne. Non, il est là. Minecraft, hein, fais-moi Minecraft. Avec plein d'astuces de jeu. Pour voir. Les astuces de jeu. Il y a des personnages. Ah, mon skin du jour. Il y a plein de trucs. Ah, c'est cool. Pomme d'or. C'est cool. Des igloos. Il y a plein de trucs sur le jeu. Bon, c'est alors, qui dessine? Minecraft. Minecraft, ok. Alors, Loulou, il te faut quoi d'autre, alors? Une pochette à ramen en plastique. Ok, ça, tu en as pas? Si, je vais garder celle de L'année dernière, elle est encore bonne, je crois. On va éviter d'en racheter une pour ce que tu l'utilises. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te faut d'autre, alors? Rapporter le dictionnaire qu'on avait acheté en ce moment. Ok, donc le dictionnaire. Et moi, je te propose un truc, parce que là, j'ai vu tes vieilles trousses. Elles sont pleines d'encre et tout, donc regarde, là, il y a des trousses. Ça te dit pas d'en prendre peut-être une double pour mettre tes feuilles et tes crayons de couleur, tes feutres, plutôt tes crayons de couleur et puis ben une simple. Ouais. Ça te dit? Ouais. Alors regarde tout ce qu'il y a, tu peux regarder hein. Il y a celle-là, il y a des doubles comme ça. Il y a... Bon peut-être pas violet. Pas ça. Là il y a quoi? Regarde, ça il y a un surfeur là. Ouais, non, celle-là t'as dit? Ouais. Celle-là. Et peut-être une simple, regarde, je crois qu'il y a celle qui va avec. Tiens. Non? Ah ouais. Ouais, cool. Ouais. Ok, ben voilà, t'as tes deux trousses. Et puis, ben on a terminé? Oui. On a terminé. Alors, les loulous, ça y est, on a terminé. On a tout ce qu'il faut. Ouais. Et d'ailleurs, vous aurez pu voir que ben, dans la liste, on n'avait pas de colle. Parce que comme on a un iPad, on n'a pas besoin de coller les photocopies. Ça, c'est cool. Et moi, j'aime pas coller. Alors, les amis, on va vous laisser. On va continuer avec Océane. Ah, ma loulou, t'es d'accord? Oui. On va vous laisser. Si vous avez aimé, ben, dites-nous le où. Dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut. Aussi, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous allez ou vous avez acheté vos fournitures scolaires et si vous avez pris les mêmes choses que Corentin. On va vous laisser. Et puis, ben, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit... Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.